aujourd'hui, je viens vous partager mes abonnements, du coup, pour l'instant, puisqu'il y en a quelques-uns que je trouve intéressant de vous partager. Et donc, n'hésitez pas à me donner soit ce que vous faites, donc vos identifiants pour la galerie. Alors, ce qui est chiant, c'est que du coup, il y en a que je n'ai pas trouvé dans la galerie. Donc, j'ai lâché l'affaire. Mais il y en a quelques-uns intéressants que je voulais vous partager. Et donc, que ce soit votre compte ou ceux de comptes que vous suivez, que vous trouvez important de partager aussi parce qu'il y a des choses top, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller dans mes amis. Et de là, je vais vous présenter quelques chaînes régulièrement. Ouais, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-unes par vidéo. Et pour les prochaines, je rajouterai évidemment des chaînes que vous m'aurez par exemple conseillées ou les vôtres. Voilà, donc j'essaierai de faire un petit peu tout. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour que je vous montre, mais sans caméra parce que sinon ça va bugger. Donc je vais vous montrer quelques chaînes intéressantes. Alors, on va commencer par Kimi Kosoma. Donc c'est elle qui a fait un site très connu, je sais plus comment ça s'appelle. De son, je crois. Enfin bref, elle fait des trucs, elle partage des trucs de dingue, des actualités, des machins. Donc je vous invite vraiment à la suivre. Donc qu'est-ce qu'on va, on va regarder un petit peu ce qu'elle a. Voilà, là on a une très belle maison. On va aller d'ailleurs sur un terrain. On va lui prendre un de ses persos qui est plutôt pas mal. Là c'est un foyer. Hop. On va la mettre aller par ici. Hop, on va déménager. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc, on a notre personnage ici. Voyons, elle est plutôt mignonne. Hein. J'aime beaucoup son style. Donc, on va retourner dans la galerie. Pour que ce soit du coup plus facile. Ami, hop, je retourne chez elle. Donc, on va regarder son catalogue. Ah, elle l'a fait avec les cheveux longs aussi. Je suppose que c'est la même fille, non? Bref. Donc ici, on a un challenge qu'elle a fait de NS. Voilà. Ici, la version du Coco Challenge. Ok. Toutes les règles dans la vidéo YouTube de Cocox. Je sais pas si je la suis, Cocox. Je sais pas qui c'est. Ça ne me dit rien. En tout cas, très très belle maison. Ici, elle nous partage une jolie cuisine rustique, vraiment très sympa, j'aime bien. Voilà, pas mis beaucoup de choses, mais elle a un site vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller voir. Donc là, on tombe sur Nenster65. Son catalogue a l'air plutôt pas mal, et puis comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de téléchargements. Il est plutôt pas mal fait, j'aime bien. Donc, je vais le sauvegarder dans la galerie. Là, celui-là, il est trop beau. Franchement, de ouf. Hein. Il est trop bien fait, lui. Je télécharge énormément de trucs de cette personne-là. Faut savoir. Surtout les personnages, parce qu'il y a vraiment des premiers. Regardez, ce personnage, de ouf. Il est magnifique. Franchement, vraiment trop, trop beau. Hein. Regardez, regardez les looks, ils sont trop beaux. Hein. Je vais pas tous les télécharger, mais celui-là, pareil, il est vraiment bien fait. Des vraies personnes, ah, lui fait peur, hein. Lui très ouais, j'aime bien aussi. Tu veux faire un let's play sur un peu futurisme machin, ça passe très très bien. Là, la petite maison, elle est trop belle. J'ai l'impression, alors je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais qu'ils ont amélioré le partage là, c'est vachement beau. Hein. Voilà, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, hein. C'est très joli. Là, une petite maison pareil comme ça là, hop. Voilà, en tout cas franchement, si vous connaissez pas dans la galerie Nenster65, mais allez-y, foncez. Franchement, dites, mais regardez, il est magnifique, elle est magnifique. Enfin, je sais pas, les personnages sont trop trop beaux, hein. Regardez ça, comme il est beau.
Il est beau comme un camion. Donc du coup voilà, donc ça me donne envie d'en télécharger plein, d'en mettre plein dans ma galerie, j'adore. Voilà, donc là c'est principalement des personnages, hein, mais bah, il fait quelques autres trucs, vous voyez, plutôt sympa aussi. Mais franchement, ces personnages sont dingues. Mais vraiment, aime regarder ça. J'adore. Trop drôle. Bref, du coup, celui-là est vraiment top aussi. Alors, ensuite, on est sur Edoléo. Donc, je ne sais plus dans quelles circonstances j'ai suivi cette personne. Mais on a également des trucs vraiment beaux. Mais regardez ça. Quel boulot de dingue! Ah! Pourquoi ça fait ça là? Ça bug. Ça bug là. Ensuite, petite terrasse ensoleillée, vraiment chouette. Je sais pas comment on partage une terrasse. Qu'il y ait des murs, une barrière, des trucs comme ça. Mais là, elle est trop mignonne, mais attendez là. Franchement, c'est top d'avoir une petite maison. Je vais pas le sauvegarder, hein, mais je vais le mettre par exemple sur le terrain là actuel pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Tu débutes le jeu, t'as un tout petit terrain et tout, hop, tu te mets là. C'est chouette, quoi. Donc, mais regardez ça comme c'est trop mignon. Non, mais j'adore. C'est trop mignon. On va descendre, on va regarder à l'intérieur un petit peu comment ça se présente. Donc, elle a fait un lit. Ouais, ça ressemble à notre premier appart, c'est fou. Donc ouais, bah plutôt sympa, hein, petit mais efficace, franchement top, hein. Franchement nickel. Très joli, bravo à toi. Ah, je vais vous montrer Capan, mais je pense que bon, pour la plupart d'entre vous, vous savez qui c'est. C'est une youtubeuse qui récemment a eu un souci avec son ordinateur d'ailleurs. Et je suis dégoûtée pour elle parce que j'imagine même pas la haine que ça doit mettre. Bref. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça commence à m'énerver. Donc du coup, Capan, elle fait des trucs de ouf aussi. Alors je vois pas de personnages, donc elle ne peut pas partager beaucoup de personnages. Mais bon, elle fait beaucoup de créations aussi. On va essayer de regarder un petit peu, voyez, ici c'est un appartement, je suppose. Voilà. Micro-maison délabrée. Donc ça peut être intéressant. Je vais le mettre pour faire une rénovation. Et donc là, pareil, hein, les gens ont dû rénover sa maison. Alors même si c'est 2020, tu vois, je peux quand même éventuellement récupérer et refaire les rénovations, tu vois. Donc voilà. Capan, bah, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. On va donc finir. C'est l'avant-dernière. Là, on a Sydney Macoretta. Alors, est-ce que je l'ai trouvé sur YouTube? Probablement. Regardez. Oui, c'est une YouTubeuse, oui, qui fait des trucs super sympas. J'aime beaucoup. Ça y est, je me rappelle. Ça a l'air sublime. On va regarder ça tout de suite. Allez. On place le terrain et je vous montre. Et pareil, elle fait des challenges, des machins, des trucs vraiment sympas. Par contre, c'est en anglais, donc bon, voilà. Si, oh là là, mais regardez ça. Quelle dinguerie! C'est joli, hein. Alors, ça va pas du tout là au milieu, mais c'est plutôt joli. Ah, par contre, il n'y a rien. Attends, mais je peux même pas parce que du coup, comment il faut que je fasse? Non, je peux pas. Mais c'est pas bien ça. Pourquoi tu as fait ça? Du coup, elle a fait un toit un peu bizarre et ce qui fait que on peut pas voir l'intérieur. Donc, bah, écoute, je vais faire comme ça. Là, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de. Ok. Ouais. J'essaye de voir. Hein, du coup, je suis désolée, mais je vais enlever. Je suis obligée d'enlever ça. Oh, c'est joli ça. Oh, j'aime trop. Oh, regardez comme c'est chou. J'adore. Les jeux de Noël là. Sympa.
Ah, mais ça, elle a fait une maison de Polly Pocket, s'il vous plaît. Mais c'est une dinguerie. C'est trop chou, j'adore. Franchement, c'est trop chou. Ouais. J'aime beaucoup. Et normalement, du coup, elle partage aussi ses défis. Enfin, ses créations qu'elle a fait. Je cherche un truc en particulier, mais je ne le trouve pas. Oh, regardez ça. Ça, c'est super joli. Regardez les escaliers là. Je sais pas si... Non, c'est pas des vrais escaliers, c'est pas possible. Je pense pas que ce soit des vrais escaliers parce que elle a vraiment de très très jolies choses. Donc, je vous invite à aller faire un tour, ma foi, à regarder aussi sa chaîne YouTube. Alors, je pense qu'en tapant Sydney Macoretta, vous allez la trouver, à mon avis. Même si c'est pas forcément celle de sa chaîne. Et ça doit être dans la description, donc je pense que c'est facilement retrouvable. Voilà un petit peu ce qu'elle fait. Bon, bah, ce que je vous ai montré en premier, pas ouf, hein, mais ça, mais regardez. Ça. Oh là là, mais regardez comme c'est trop mignon. J'aime trop, c'est trop beau. C'est trop joli. Alors, on finit avec Miss Spirit. Alors aussi qui fait des trucs des dingues, notamment pour ses persos. Je prends tous ces persos là. Ils sont magnifiques. Donc, on voit qu'il y a un téléchargement. Donc voilà. C'est une starter pack. Je sais pas pourquoi moi ça me fait. Elle a passé dessous, j'ai pas compris. Bref. Donc du coup on va regarder un petit peu cette starter pack. Du dernier compte que je vais vous montrer. Oh là là, c'est vraiment un starter pack ça. Pardon, mais c'est magnifique. Donc là on a une petite piscine. Ah là il y a un petit bug là, non? Ah non. Ah non, j'ai rien dit. Très très sympa. Hein. Par contre, j'aime un peu moins les trucs là. Enfin non. La maison est vraiment très belle. On va aller au rez-de-chaussée. Donc rez-de-chaussée. On a comme ça la petite entrée, ouais, plutôt pas mal. C'est basique, mais franchement, pas mal du tout hein, pour un starter pack. Hein. Là, on a deux salles de bain, une chambre, nickel. Par contre, non, il n'y a rien dessus. Il y a une pièce, mais il n'y a pas d'escalier, rien. Ouais, bah écoutez, plutôt sympa. Du coup, on retourne dessus. Donc vous voyez, ces personnages sont vraiment magnifiques, des maisons vraiment cool, plein de starter packs plutôt pas mal. Voilà, pas mis beaucoup de choses parce que de toute façon, oh, c'est joli, hein. Franchement ces personnages, oh, j'aime trop, mais regardez ces personnages, ils sont trop beaux. J'aime trop. Elle fait beaucoup de chiens par contre. Là, encore un super starter pack, trop cool. Non mais c'est dingue, regardez ces starter packs là, ils sont trop beaux. Non mais franchement c'est des tueries. Oh là 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 là, le sol là, moi j'ai du mal à faire des trucs comme ça, c'est vraiment trop joli. Voilà, certainement utiliser peut-être des trucs du debug. Mais là, on a une petite chambre avec une salle de bain à l'étage. Ensuite, on a une chambre d'adulte. Salon, salle à manger, machin. Alors, c'est ça que je vous disais l'autre fois. Comment ils font? Comment ils font pour faire l'estrade, là? Comment ils font ça? Bref, je comprends pas. Ouais, franchement, cool, quoi. Encore une chambre de gosse au fond là, tac, une salle de bain, c'est basique mais efficace. Voilà, donc cette personne là fait vraiment des trucs trop beaux. Sur ce, ben ma foi on va vous laisser. Oh, mais regardez, mais j'avais pas vu, c'est un vrai chien. Ah non, mais j'ai jamais vu, c'est quoi ça? J'ai jamais vu le chien là dans le debug, c'est un truc de fou. Pardon, mais pardon quoi? Là pareil, il y a un chat. C'est un debug? Ouais. D'accord. Bah écoutez, vraiment joli. Bref. Donc du coup, n'hésitez pas à me laisser les gens que vous suivez.
ou tout simplement les gens, ou tout simplement vos comptes à vous. Et puis on regardera ça tout, voilà. Moi je sais que j'en ai découvert un aujourd'hui, vraiment top. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai. Je vous dis à bientôt.